Yo les gars, c'est Gossovage, nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment stabiliser une vidéo sur Premiere Pro. Alors, je vous demande de bien regarder la vidéo parce qu'il y aura plusieurs étapes. Et ça vous, je pense que ça vous énerverait de passer une étape, tout simplement. Alors, pour commencer, il vous faudra tout simplement une vidéo. Moi, pour ma part, j'ai pris une vidéo sur Internet, voilà. Cinématique Les Cerisiers de Kawaguchiko Yamanashi, j'arriverai pas à lire. 4K Ultra HD. J'ai pris ce passage-là. Ouais, j'ai pris ce passage là, vous pouvez voir que c'est pas du tout stabilisé et du coup on va aller stabiliser ça. Alors vous allez voir, c'est très très simple à faire. Vous devez aller dans vos effets. Une fois que vous êtes dans vos effets, vous tapez stab et vous allez trouver un effet qui s'appelle stabilisation. Il se trouvera dans effet, déformation, stabilisation. Vous prenez cet effet, vous le mettez sur votre vidéo. Et là, vous allez devoir attendre le temps que ça stabilise votre image. Alors, il faut savoir que derrière ça, on va devoir paramétrer 2-3 petits points. Du coup, vous ne pouvez pas vous arrêter ici. Vous n'allez pas avoir un rendu qui serait très très beau en fait si vous mettez juste l'effet stabilisation. Alors, l'analyse va prendre quelques temps. Ça dépendra de votre processeur et votre RAM. Ça va prendre une dizaine de secondes, une vingtaine peut-être. Voir max, c'est marqué sur la gauche le nombre de temps que ça prendra. Et voilà, c'est stabilisé. On attend 2 secondes le temps que ça se termine. Voilà, c'est fini. Alors là, on a stabilisé grossièrement. Voilà, c'est stabilisé, mais c'est très grossier. C'est pas hyper propre. Du coup, voilà, comme vous pouvez le voir, ici ça bug et tout, c'est pas super propre. On va venir modifier ça rapidement et simplement. Vous allez aller dans fenêtre et vous allez cocher option d'effet. Qui ce n'est pas déjà coché, excusez-moi. Pour ça, vous allez rentrer dans votre fenêtre d'option d'effet. Vous allez modifier un paramètre. Alors, je vais vous faire un zoom. Vous allez voir, ça sera marqué FX stabilisation. Et nous, on va venir modifier un paramètre dedans. L'effet qu'on va venir modifier, c'est stabilisation résultat. De base, il est en lissage, on va mettre aucune animation. Et là, vous devrez attendre quelques secondes, le temps que ça restabilise votre image. Et normalement, vous allez avoir un rendu qui sera extrêmement lisse. Voilà, si on regarde, on voit que la vidéo est totalement stabilisée. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit like, un commentaire, etc. Ça fait toujours plaisir. Partagez la vidéo si elle peut servir à quelqu'un. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Peace.